toutes et à tous, c'est parti pour le troisième match du tournoi 3v3. Nous sommes du coup sur deux nouvelles équipes qui vont s'affronter. Donc d'un côté nous avons Totoz, donc c'est Ertoz, qui est avec du coup Fuscop et du coup Idaz, donc les hommes, le Mordor, les elfes, contre Max qui va jouer l'Isengard, Knight qui va jouer le Mordor, et enfin Sibran qui va jouer les gobelins. Donc le premier match est déjà sorti sur la chaîne, forcément le deuxième sera sorti quand cette vidéo sortira, ce qui est plutôt logique vu que c'est le troisième match. Donc ce qui est important à retenir sur cette carte, c'est qu'il y a un feu d'alarme au centre, mais il n'y a pas de creep, donc pas moyen de récupérer de l'argent supplémentaire, en tout cas en début de partie, ou de l'expérience. Donc ça joue surtout sur la stratégie. Hein, on joue pas mal sur cette carte, hein, Nurn, qui est une carte assez plate, à part peut-être le centre qui est un petit peu en montée. Mais c'est une map aussi où on est proche des alliés, donc c'est pas mal. À quoi sert le feu d'alarme? Le feu d'alarme sert d'avoir surtout de la vision, car dans les dernières versions, il n'apporte rien d'autre. Hein, dans les premières versions du jeu, il réduisait de 25% les délais pour reprendre en tout cas les pouvoirs. Et ça, c'était très fort. C'était très fort d'avoir la possibilité d'avoir des pouvoirs beaucoup plus rapidement. Après, bah, du coup, tout se jouait sur la stratégie de prendre du coup le feu d'alarme. Donc voilà. Donc d'un côté, Knight face à un Mordor qui, les deux font des orques. Coucou Respawn, comment ça va? Il manque un tournoi 3v3 bataille des streamers. Il manque un tournoi 3v3 bataille des streamers. Bah, le problème c'est que... Non, il faudrait refaire potentiellement une soirée bataille des streamers, mais... je sais pas qui je pourrais inviter pour ce genre d'événement. Je sais pas qui serait chaud de refaire une soirée bataille des streamers. C'est vrai que c'était rigolo. C'était rigolo sur le jeu de rappeler... Bien hâte d'être fin avril enfin. Oui, le fin avril, hein, le Paris Fan Festival, n'oubliez pas de venir. Ça va être très sympa sur un week-end, hein, où on va principalement voilà, discuter. Moi, faut que je ramène... je pense que je vais ramener mon ordinateur portable, et j'ai un vieil ordinateur portable, donc je vais essayer d'installer la bataille portable mieux, minimum, pour que les gens puissent jouer. Et potentiellement, il faut... Oh, en vrai, j'ai une idée. J'ai une idée, je sais que Boulia ou Galethorn, ils ont les jeux Seigneur des Anneaux, les deux tours et le retour du roi sur PS2 je crois. Et moi j'ai une vieille PS2 chez mes parents, donc potentiellement je ramène la PS2 avec, je sais pas, une manette ou deux manettes. Et comme ça les gens s'installent, mais faudrait que je ramène une petite télé aussi. Oh putain, il y a vraiment moyen de faire un truc vraiment cosy en mode les gens ils viennent, ils jouent à ce qu'ils veulent. Bon, à ce qu'ils veulent, à ce qu'il y a surtout. Mais il y a vraiment moyen d'avoir quelque chose de vraiment clean, quoi. De vraiment, genre, week-end hyper chillax, où les gens, ils viennent, ça joue. Bon, là, par contre, c'est la bataille. Là, c'est la bataille pour la terre du milieu, hein. C'est drôle, hein, on est quand même sur le centre de la carte, une bataille qui est au centre, donc on est parfaitement sur le nom du jeu. C'est magnifique. Ok, les arbitriers du côté de Max qui essayent de focus les archers de Fuscop qui essayent de bien se positionner. Les arbitriers en formation porc épique du coup qui servent pas à grand chose. Les gobelins qui sont venus prêter main forte du côté de Sibran sur les archers du Mordor. Donc pour l'instant on va dire que l'équipe Nord s'en sort plutôt bien malgré le fait que Fuscop se défende à gauche correctement. Attention aux orques, aux archers pardon de Idaz qui se font focus par les gobelins de Sibran. Les orques essayent de demi-tour, les renforts du côté de Knight, les gobelins qui suivent également ici. Et les archers qui ont remporté leur combat ici. Donc ça c'est pas mal, ils sont passés niveau 2, pareil pour les archers ici, repli stratégique. Gothmog a été recruté, et Gothmog qui est extrêmement puissant, pourquoi? Car il offre un buff aux unités proches, et avoir un buff au début de partie avec le Mordor, c'est super intéressant. Donc là pour l'instant on est surtout sur un focus pour le centre de la carte, le feu d'alarme qui a été récupéré. Donc regardez la vision qu'il apporte hein, quand même. C'est intéressant vu que les joueurs se battent au centre. Ça permet voilà, d'anticiper si par exemple il y a de la cavalerie qui arrive. S'il y a des piquets du coup avec ta cavalerie toi tu pourrais renverser. Alors attendez je regarde d'un côté. Donc il y a Aldir déjà qui a été recruté. Arwen et du coup une belle armée d'elfes. L'Isengard qui arrive au centre. Et là ça va partir en cacahuète. Et coucou Max comment ça va? Faut une TV. Vous voulez le tirage aussi? Bah écoute, moi je prends ce que vous voulez. Moi j'ai aucun jeu Seigneur des Anneaux, je crois, sur ma PS2. Alors après, faudrait jouer au PS2, PS3. Je sais que j'ai les deux.
Mais est-ce que j'ai des manettes qui fonctionnent et tout qui fonctionne? Ça, je ne sais pas, j'ai pas testé. C'est chez mes parents, il faudrait que je regarde ça. Mais en vrai, il y a moyen quoi. Encore une bataille des six armées? Et oui, nous sommes sur la bataille des six armées. C'est terrible. Vite! Notre feu d'alarme! Attends, on a carrément fait une tour du côté d'Arthos, hein. On veut défendre absolument ces terres. Quoi? Aucun jeu SDA sur PS2? Si, si, si. Attends, j'avais quoi? Là, j'ai des conquêtes, je pense. Mais je crois que c'est sur PS3. En fait, je sais pas si c'est sur PS3 ou PS2. Peut-être l'âge des conquêtes. La quête d'Aragorn, ça c'est sûr. Sur l'un ou sur l'autre. Les jeux ou les Hobbits, sur l'un ou sur l'autre. Mais non, je crois, le reste, pas vraiment. Hein. Bon, regardons un petit peu les gobelins. Les gobelins qui sont menés par Azog le profanateur. Pendant ce temps-là, ici, nous avons les hommes qui reforment une belle armée. Nous avons le Mordor. Oh là là là, est-ce que ça serait pas un Bobby? Est-ce que ça serait pas un Bobby et Gotmog en plus qui vont attaquer quoi? Ça joue en V9. Bah écoute, hein, on joue à la dernière version. Donc la V9, c'est effectivement la dernière version. Donc oui. Oui, on va pas s'amuser à jouer à une ancienne version hein, sur l'extension. Ça va de soi. Alors les gobelins et le Mordor qui forment une belle armée. Le champ de guerre qui a été activé, l'œil de son qui a été mis en place. Attention, le Bobby qui doit bien gérer son positionnement. Et il va directement dans les gobelins et c'est parti. Il va mettre une frappe frontale sur les gobelins. Ça fait très très mal. La grosse bataille qui doit être en marche, ça doit pas mal bugger hein, de leur côté parce qu'il y a quand même pas mal d'hommes. En plus, il y a l'armée des hommes qui arrive pour mettre une giga pression sur l'armée. Bobby est mort, Gotmog est en train de faire un carnage de ce côté-là. Il y a un autre Gotmog qui est en train de se battre ici. Les gobelins qui se sont fait complètement massacrer. Il reste plus que Azog et quelques unités d'épéistes et des wargs. Des wargs ont été recrutés du côté de Max, donc ça c'est pas mal du tout. Mais pendant ce temps-là, Max il se fait également attaquer par les elfes. Oh, la charge dans les archers, ça c'est bien joué. Mauvaise défense du côté de Fuscop qui met mal ses piquets devant ses archers. Les wargs qui contournent, l'Isengard qui met pas mal de pression avec les Uruk-hai et les Arbitriers qui sont derrière. Mais dedans, il y a Aldir, hein, Aldir qui prend du niveau, il est déjà niveau 5. Oh mais attendez, mais qui voit l'âge? Des Nazgûl. Les Nazgûl, l'unité d'élite du Mordor qui viennent d'être recrutées depuis du coup l'atelier de siège, le grand atelier de siège. Bon, comme vous pouvez voir, les hommes sont déterminés à mettre une grosse pression sur la base de Knight. Il doit y avoir Théoden dans le coin, parce que là, il y a un pouvoir d'XP qui a été mis en place. Et oui, Théoden est bien là. Je n'avais pas vu. La bêta. Oui, effectivement, il y a la bêta, mais le problème, c'est que la bêta, peu de gens y jouent. C'est surtout pour la Ligue Arena que les gens jouent à la bêta. Nous, on joue sur la dernière version. Ok, donc là nous avons Max qui a fait les crébins autour de sa forteresse. Alors pourquoi? En gros, ça apporte une belle vision. Ça apporte une vision jusqu'ici, hein. Donc ça permet quand même de savoir si jamais tu te fais rush ou pas par une telle armée, que ce soit des engins de siège ou pas, ou en tout cas de pouvoir aller aider tes alliés, mais voir quand même si jamais il y a une grosse armée qui arrive chez toi que tu dois te replier. C'est quoi le score? Pour l'instant, il y a 1-0, non je rigole, pour l'instant il y a 0-0, donc je ne sais absolument pas qui a gagné ou qui gagne. Donc pour l'instant nous avons les elfes ici menés par Aldir, l'Isengard qui essaie de se défendre comme il peut, les gobelins qui vont se faire attaquer une nouvelle fois par Ertos et les hommes qui pour l'instant se reposent auprès du puits. On est parti sur des gardes de la tour, hein. Beaucoup de gardes de la tour, 4 unités de gardes de la tour, ça va faire très très mal, enfin surtout en termes de défense c'est assez conséquent. Il manque la bataille en terre du milieu en e-sport. Ouais, y a pas, c'est compliqué d'avoir de l'e-sport sur ce jeu hein, quand même. Hein. Après, avec le nouveau launcher qui a été mis en place, je crois qu'il y a quand même pas mal de parties qui sont jouées. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la ligue. Forcément, les ligues, c'est sympa, les gens ils tryhardent un peu, ça donne envie de jouer, de surpasser, de devenir meilleur, surtout qu'ils mettent des cash price de 100 € sur chaque jeu là en ce moment, donc pour le mois d'avril, il faudrait qu'il soit parfaitement balanced. De quoi, le jeu? Il n'y a pas vraiment de balance parfaite, hein. Tu sais, c'est surtout une capacité d'adaptation à chaque patch. Hein. À chaque patch, tu changes des valeurs. Les valeurs font que tu t'adaptes du coup au changement. Si par exemple, là dans la prochaine version, les wargs ils reçoivent un bonus, tu verras que dans les prochaines parties, il y aura plus de wargs dans la game.
Enfin, c'est le principe d'avoir des patchs. Et justement, c'est bien d'avoir des patchs, en tout cas régulièrement, pour éviter qu'il y ait pas une sorte de redondance. Mais oh là là, oh là là, oh là là, le troll d'assaut, mais regardez-moi ça, mais regardez-moi ça, il est en train de faire un massacre. Et le temps bah, qui a été invoqué directement de Fuscop, parce qu'il va faire une explosion. Oh, les gobelins, mais les gobelins, ils prennent tellement cher dans cette game. Enfin, sacré Bobby, hein, Bobby qui a pas tant près d'XP que ça, mais qui a quand même fait énormément de kills. En plus, derrière, il y a les catapultes du Mordor, il y a un puits qui a été fait au centre avec une deuxième tour. On est vraiment installé côté sud. On a des Noldor, on a des Noldor du côté des elfes. Les cavaliers noirs qui retournent au front. Est-ce qu'ils vont essayer de tuer les Noldor? Est-ce qu'ils vont réussir à tuer les Noldor? Ah, ils font pas beaucoup de dégâts, malheureusement. Les cavaliers noirs tankent bien, mais le problème, c'est qu'ils font pas trop de dégâts. Il y a la bouche de Sauron qui est également... Alors, c'est pas souvent qu'on voit le Mordor faire full cave, entre guillemets, avec cavaliers noirs et bouche de Sauron, mais ça reste original. Et en plus, il y a l'armée des hommes qui est à droite avec les feux, les flèches enflammées, pardon, qui ont été mises en place. Les gobelins, bah, qui tentent de se refaire une armée, mais j'ai l'impression qu'il a, entre guillemets... Ah, c'est parce qu'il y a de la cavalerie menée par Éomer qui sont en train de détruire l'économie derrière la base. Ces parties compétitives vont à toute allure. Il y a des gens dans le chat qui jouent du coup à la ligue. Et si oui, sur quelle version? Et vous êtes plutôt... vous êtes combien dans le classement? Oh là là, Saruman, Saruman qui a balancé son explosion de magie et sa boule de feu. Ça a fait pas mal de dégâts, mais le problème c'est qu'une fois qu'il a balancé ses pouvoirs, bah, il peut pas faire grand chose. Il y avait beaucoup beaucoup d'hommes. On a Elrond qui a été recruté, on a Haldir, on a Glorfindel, on a... Oh, on est très très bien du côté des elfes. Hein. Je pense que malheureusement là, c'est mal parti pour l'équipe du Nord. On s'est fait... On s'est fait balayer à un moment donné et on a du mal à revenir. Hein. On voit que Knight tente des choses avec sa cavalerie. Il a recruté un Nazgûl qui vient tout juste de s'écraser. Nous avons oh le troll, le petit troll d'assaut qui balance ses meilleurs coups. Et voilà, il défonce les orques, c'est bien joué. Et la catapulte pensant là qui tire sur la forteresse et les renforts des hommes qui arrivent pour défendre au maximum l'armée. Mais on a quand même réussi à détruire la catapulte, donc c'est worse entre guillemets. Alors attention à ne pas perdre du coup les cavaliers noirs. Drogoth qui a été recruté du côté du joueur gobelin. Mais bon, je suis pas sûr qu'il fasse grand chose, hein, ce pauvre Drogoth. Hein, ah, mais attendez, est-ce que ce serait pas une armée de gobelins qui passe par l'extérieur? Alors c'est vrai que dans ce genre de situation, il faut réussir à split les armées ennemies. Aïe aïe aïe, on sent le focus, hein, on sent le focus du côté d'Arthos. On veut détruire cette forteresse. On envoie deux trolls dessus avec Gothmog. Et normalement, voilà, la forteresse va tomber. Les trolls qui font extrêmement mal. L'abattoir est celui qui est en train de se faire détruire. J'ai testé le launcher 1.09. Je suis dans les derniers. Ah bah écoute, hein, après. Après, il y a du niveau, hein, c'est sûr qu'il y a du niveau. Je sais pas sur BFM 2, hein, les joueurs, mais je sais que sur l'extension, il y a pas mal de... J'ai vu tout à l'heure, vite fait, il y avait pas mal de noms que je connaissais, entre guillemets. Coucou Nick-Nuck, comment ça va? Et dernier aussi, tu feras gaffe. Premier en dehors du classement, tellement je suis fort. Hein? Bah moi, j'avais joué une game, du coup, avant que le mois d'avril commence. Et ils ont réinitialisé, du coup, bah, je suis plus dans la ligue. Mais faudrait potentiellement que je reteste. Mais bon, vu que je joue pas énormément, faut pas trop l'intérêt. Bon, en tout cas, bon, bravo. Bravo à l'équipe sud hein, qui, pour l'instant, a remporté le premier match. On va passer directement au deuxième match. C'est parti. Eh bien, écoutez, c'est parti pour le deuxième match. Pour l'instant, 1-0 pour l'équipe, du coup, Idaz. Alors, ils étaient au sud, ils sont passés au nord. Donc, Idaz qui joue le Mordor. Nous avons Ertos qui joue les nains. Nous avons Diablo qui joue les Angmariens, enfin l'Angmar. En bas, Sibren qui joue encore une fois les Gobelins. Nous avons Knight qui jouait le Mordor et qui joue les Hommes. Et enfin, Max qui jouait l'Isengard et qui va jouer les Elfes. Nous sommes sur la map d'Agorlad. Je me rappelle de cette carte, hein, c'est là où j'avais extrêmement bien joué. Malheureusement, allez voir la vidéo, allez voir ma vidéo parce que elle est terrible. Elle est terrible. Donc sur cette carte par rapport à celle d'avant, alors déjà elle est totalement différente. Hein. Il y a l'espèce de marée des morts, il y a des endroits avec des drakes de feu, il y a un avant-poste aussi au centre de la carte, il y a des gobelins, il y a des feux d'alarme. Bref, il y a pas mal de choses sur cette carte. Donc en termes de diversité
de la carte, et ben on est plutôt bien. Après, voilà, il y a des zones importantes, il faut jouer en équipe, c'est intéressant. Le marais est ultra chiant. Ah, le marais, effectivement, il y a moins de passages, du coup, c'est des combats un peu plus reculés. Mais du coup, ça crée une sorte de diversité au niveau de la map, quoi. C'est vrai qu'on n'est pas sur une map très plate, où c'est équilibré à 100%. Là, on va dire qu'il y a deux joueurs qui sont dans les marais. Ici, on a du coup une auberge. Alors, c'est drôle parce que je me suis toujours dit, il y a une auberge en haut. Mais est-ce qu'il y a une auberge en bas? Oui, il y a une auberge en bas. Mais elle est protégée par des gobelins. Ah, vous voyez, voilà, elle est juste à l'opposé, mais il y a bien une petite auberge. Il y a une antre à gobelins qui est là. Il y a également une antre à gobelins qui est au nord. Et pour l'instant, on est parti sur des orques de Gundabad du côté de Diablo pour aller prendre le feu d'alarme. Donc ça, c'est pas mal. Pour l'instant, là, au centre, j'avais pas vu, mais les gobelins ont pris l'avant-poste. Mais Ertos a construit une mine et a sorti des lanceurs de hache. Oh, les soldats du Gondor. Les soldats du Gondor. Les auberges servent à recruter des mercenaires. Oh, oui. Servent, bah, tout dépend de la faction que t'as, mais en fonction de la faction, tu peux débloquer une nouvelle unité. Ce qui peut être pas mal pour intensifier un spam ou en tout cas avoir des unités spéciales. Je sais pas si les joueurs vont en prendre dans cette partie, on verra bien. Ok, donc là on peut voir que les gobelins et les humains se sont alliés. Ils viennent de terrasser quelques nains et ils enchaînent directement avec la mine. Donc là on va perdre une mine du côté orange, hein, donc du côté de Ertos, donc ça c'est pas mal du tout quoi. C'est pas mal du tout. Oh là là, attention au drake de feu. Le drake de feu qui est en train de brûler des gobelins. Alors, le problème du drake, hein, c'est qu'il faut éviter d'être trop près de son antre, parce que bah tout feu, tout flamme, hein, ton armée elle va brûler très très vite. Un drake c'est pas si simple à tuer. Il y a une strat en vrai avec les gobelins, c'est de prendre potentiellement le pouvoir niveau 10 pour récupérer l'antre, et du coup tu récupères le drake si tu vises bien. Ce qui permet de faire des drakes de feu. Ce qui est quand même vachement bien. On va pas se le cacher. Après, c'est une stratégie comme une autre. Y a moyen de faire autrement. Les nains en voyant les hommes arriver. Oh shit. Oh shit. Mais oui. C'est exactement ça. Genre ils ont dit non, 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 on se replie. Ça y est. Il est 14h37. J'ai un coup de barre. C'est terrible. Bon, en même temps, je suis levé, voilà, depuis 6h30. Je travaillais un petit peu sur le prochain événement, du coup, la guerre de Numenor, qui sera du coup un peu comme une GDA. L'objectif, ce serait de faire un événement plus court, avec, bah, du coup, il y a moins de territoire. Et j'aimerais bien le faire sur une autre version que ROTK, donc potentiellement BFME2. Mais vu que ça serait une version plus courte, vu qu'il y aurait potentiellement plus d'événements, donc on pourrait switcher un événement BFM2, un événement Age of the Ring, un événement ROTK, tout en gardant la même carte, mais en changeant les règles au fur et à mesure. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Un système où voilà, les joueurs ont quand même la possibilité de jouer à plusieurs, tout en jouant sur des versions. Il est temps du café. Ah, c'est l'heure du café. Moi, je bois pas de café, donc je vais peut-être me faire un chocolat chaud. Je pense qu'après cette partie-là, je vais me faire un petit chocolat chaud. Attendez, parce que je vois Langmar est précipité pour anéantir les gobelins. On a pas mal de lanceurs de hache, donc c'est pas mal du tout. Ça en dit long sur le live de ce soir. Oh, ouais, j'avoue, putain, ce soir, je vais être fatigué encore. Je vais être encore une tombe en mode comme ça, là. Non, non, je vais me motiver pour ce soir. Je vais me motiver. Puis ce soir, on va être pas mal. On va être pas mal parce qu'eux, ils sont trois. Il y aura Faustea, il y aura moi-même. Donc potentiellement, il y a moyen que c'est eux qui parlent et Faustea parle. Et moi, je suis en mode, ok, je fais les paramètres, j'essaie de mettre des petites images. Moi, je fais la régie, moi. Je suis une régie, moi. Fais-toi une petite sieste. Ouais, ouais, c'est vrai qu'une petite sieste, ça pourrait être intéressant. Mais je sais pas, là, c'est tout d'un coup, toi. J'ai un petit coup de barre, là. J'étais très bien avant. Alors, est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est le jeu qui m'endort comme ça? Je ne sais pas. J'ai l'impression que dernièrement, à chaque fois que j'essaie de commenter un match, je m'endors, genre. J'ai un coup de fatigue qui arrive, donc je devrais jouer juste avant de me coucher, et je vous jure, je m'endormirai directement.
Alors je vois qu'il y a une grosse bataille avec Max hein, ici qui gère plutôt bien et que ses archers, hein, posture agressive ici, il faudrait les mettre, hein, on les a mis que sur une unité. Et là voilà, on extermine les différents lanceurs de haches. On a eu le pouvoir de malédiction qui a été mis en place par je ne sais quel perso. Est-ce que ce serait pas la bouche de Sauron? Ouais, il y a la bouche de Sauron qui est dans le tas, hein, qui a bien sûr mis le doute sur les archers. Mais écoutez, les elfes s'en sortent plutôt bien face au Mordor. Hein. Ils les terrassent. Et pendant ce temps-là en bas, qu'est-ce qu'on a? On a Knight qui est avec Faramir, des archers, des gardes de la tour. Les nains qui se préparent à une grosse baston en protégeant évidemment l'avant-poste qui est au centre. Encore heureux qu'il ne fait pas le live en 4 heures. Il y a moyen de taper un roupillon discretos pendant qu'il parle. Ouais, non, mais il y a peut-être moyen, Vous savez, j'ai juste besoin d'entendre. Hein. Non, mais je pense qu'en vrai, après cette game, on se fait, je me fais un petit chocolat chaud. Je me rapporte un petit chocolat. Et après, on va tranquillement sur Divide and Conquer et on continue la campagne avec Dol Guldur. Voilà, on se fait tranquillement ça. Après, ça vous va? Invocation des hobbits de la comté. Ah là là là, ça a piqué. Oh, mais attendez, est-ce que ce serait pas l'arrivée de Langmar qui intervient également? Donc là, nous avons les hobbits qui ont été invoqués. Pendant ce temps-là, les gobelins qui essayent de fracasser du nain accompagné des hommes. Faramir qui va complètement se faire encercler par des hobbits. Alors regardez, il se prend des coups de bâton et des petites pierres. Alors les pierres qui font extrêmement mal, sauf quand t'es en mouvement, tu les esquives. Donc ça veut dire que les matchs t'endorment ou que tu es juste fatigué? Je sais pas, je pense que je suis fatigué. Hier c'était très fatigant, hier matin. En gros, hier matin, j'ai eu un rendez-vous pour une boîte. Du coup, j'ai eu rendez-vous à 9h30. Ça a duré 1h30. Et après, j'ai eu un test de 11h à... Et j'ai fini genre quasiment à 13h. Ah, c'était énervé, quoi. Ça s'est bien passé? Bah écoute, ça va, je sais pas. Ils doivent me rappeler pour me dire, mais écoutez, tout est possible. Tout est possible dans ce monde. Ok, donc Faramir, posture agressive. On a le repli stratégique du côté de Langmar. On a déjà un Karsh avec un Waldar, le drake de feu qui continue à se balader en brûlant tout ce qui traîne sur son chemin. De l'autre côté, du côté de Max, nous avons un Ent. Alors l'Ent peut être très intéressant. Vous avez vu que les nains sont venus aider quand même Idaz qui est en PLS et du coup il dit ah, il me faut des renforts. Du coup forcément l'elfe il se retrouve en 2v1. Mais est-ce que ça serait pas la mort de Gothmog? L'Ent qui tombe, Gothmog qui tombe, donc c'est worse, c'est quand même worse hein, de tuer un héros pour un Ent. On a la bouche de Sauron qui se replie, un autre Ent qui est en préparation. Oh les oh là là, les lanceurs de hache ils font tellement mal. Waouh, oh, j'ai jamais vu ça. Les lanceurs de haches avec forcément les haches améliorées font extrêmement mal, quoi. La bouche de Sauron qui vient de faire son pouvoir œil du mal, qui fait pas énormément de dégâts. Enfin, si, il fait des dégâts, mais bon, je trouve ça pour un pouvoir quand même qui est niveau 7. Après, c'est sur une unité unique, donc c'est fort contre, par exemple, je sais pas, les aigles, c'est fort contre les héros, c'est fort contre les unités mono, quoi. Et du coup, les elfes se font attaquer. Bah les elfes oui, comme tu as pu constater, ils se font plutôt bien attaquer. Alors attention, parce que là les hommes qui se font prendre en tenaille à la fois par l'invocation des orques de Gundabad et l'armée de Langmar qui arrive. Karsh qui débuff un maximum les troupes qui essayent de se replier au niveau des gardes de la tour. Bah écoutez, hein, les hommes qui viennent de perdre la plupart... De leurs hommes, Faramir qui va devoir se replier. La terrible faiblesse du bois, les haches. Ah bah oui, bah forcément les lanceurs de haches, hein, ça découpe les Ents directement, quoi. Bon, les gobelins qui tentent une petite échappée vers Idaz. Encore une fois, le pauvre Idaz hein, qui se fait malmener quand même par plusieurs joueurs. Les elfes qui sont en train de se reformer. On a beaucoup d'archers, on commence par produire... des archers de la forêt noire, ça peut changer la donne. Oh attention, le roi Brand qui va directement tirer sa flèche, c'est pas mal. Glowin qui fait son claquement. Non, pas de claquement pour l'instant, où il l'a fait dans le vide. Aldir, que fait Aldir? Aldir il essaie de focus un maximum les lanceurs de hache. Les Numenoréens noirs rendent Angmar trop OP. Oh, je sais pas s'ils rendent trop Angmar OP, mais en tout cas effectivement les Numenoréens noirs sont d'excellents combattants au CAC.
Donc c'est très très bien pour faire des dégâts, ils sont plutôt résistants, ils ont une bonne compétence qui est la charge de taureau, ce qui peut permettre d'avoir l'avantage dans certaines situations. Bon, face à des gobelins, forcément là, Langmar a un certain avantage. Oh, attendez, mais c'est directement le pouvoir des géants des montagnes qui est effectué. L'invocation ici des orques de Gundabad, non, les piquets du Rudor cette fois-ci. Alors ça, c'est Waldar qui a dû l'invoquer. Et ils vont attaquer la forteresse, hein. Ah, il y a la forteresse de Sibren qui est en train de se faire détruire, les renforts des hommes qui arrivent encore une fois, mais qui sont malmenés par Langmar. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver la force de détruire ces géants des montagnes? Eh bien, ça me semble compliqué. De l'autre côté, comment ça se passe? Nous avons les elfes qui tentent un nouvel assaut. Ici, les phalanges naines qui se font complètement massacrer. Oh là là, ça fait mal, hein. Aldir qui est niveau 7, hein. Et Tranduil, Tranduil qui a été recruté. Alors là, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de nains, donc on va avoir du mal à les descendre. Et une fois que les nains sont corps à corps, oh, ils prennent pas tant de dégâts que ça en plus, hein. Vous avez vu la résistance qu'ils ont? Et là, forcément, bah, repli, hein. Repliez-vous, quoi, comme on dit. Les géants des montagnes qui continuent. Ils ont détruit la forteresse. Aïe, 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 Sibren qui perd sa forteresse. Les gobelins qui tentent, hein, le tout pour détruire ces géants des montagnes. Waldar qui continue à faire des victimes dans le rang des gardes de la tour. Et derrière, nous avons Faramir. Faramir qui est niveau 5. Je trouve que le poison de Karch est beaucoup trop fort. Ça, en vrai, je trouve qu'effectivement, il est fort. Le fait qu'il fasse un poison, qu'il ralentisse les unités et qu'il débuff, je crois, il fait vraiment un cumul. Non, il débuff peut-être pas, il est ralenti et il inflige un poison. C'est vrai qu'il fait, ça fait en sorte qu'il est, plutôt puissant. En fait, il est surtout fort contre des factions avec de la masse. Avec, je sais pas, contre le Mordor, contre les gobelins. Contre... je pense que même pour des rôdeurs, c'est fort. Ok, les rôdeurs qui essayent de, se mettre en position. On est venu aider également, hein, du côté de Knight. Les elfes, hein, les elfes qui se font pas mal malmener. Leur film, Tranduil. Tranduil qui doit se retourner. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est Tranduil, hein, version Bataille pour Atalmieux, hein, qui forcément est sorti avant le Tranduil du Hobbit. Oh! Et c'est directement le bombardement qui a été envoyé du côté des nains. Alors, on reconnaît la signature des nains, hein, avec le bombardement en bleu. Mais il passe l'anti-héros à un meurtrier de masse. Ah oui, non, mais clairement, Karch, il est plutôt stylax, hein. Bon, il y a le roi sorcier qui est là également aussi, hein. Voilà, il s'est dit, je vais sortir de ma cité. Et je vais directement aller me battre. Vous pensez qu'il y a des... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas l'histoire du roi sorcier, mais c'est vrai que le roi sorcier, grâce à l'extension, offre quand même une belle histoire. Hein, parce que sans l'avènement du roi sorcier, je pense que pas énormément de monde connaît ou connaîtrait plutôt l'histoire un peu de ce cher roi sorcier, hein, qui a combattu dans l'Eriador à la conquête du coup de l'Arnor. Moi je trouve ça assez intéressant, hein. C'est un personnage qui est vraiment chouette. J'espère qu'un jour on aura une série ou en tout cas un film sur son histoire ou en tout cas les histoires de l'Eriador, parce qu'il y a tellement de choses à raconter, il y a tellement de... Enfin, c'est fou en fait. C'est pas stylé, c'est OP. Forcément, ceux qui travaillent le patch sont pro Angmar. C'est sûr, c'est sûr. Ouais, c'est pro Angmar. Bah, en même temps, l'extension, regardez. Regardez ces magnifiques wallpaper screen de démarrage, quoi. Eh bah, écoutez, bravo. Bravo, hein, il remporte la victoire et passe donc en demi-finale de ce tournoi. On se dit à très vite pour la suite des matchs. Je vous dis au revoir et abonnez-vous.